now with me. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre enfin, se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec mon pote Raptor, voilà, qui va du coup conduire mon RS6 que j'ai acheté récemment avec ma Clio 4RS que j'ai décidé de garder. Par contre, venez voir ce traître. Regardez-moi cette beurette à chicha. Regardez, il a quitté mon ancienne voiture pour la nouvelle. Comme vous voyez, ce mec, il est passé d'une C4 à une Clio 4RS. Et du Clio 4RS à un RS6. Oh, t'as vu les... Oh, level up. Calme-toi. Mais regardez aussi la différence, wesh. T'es fou, je suis monté dedans tellement j'ai à peine mis une poussée. Il m'a dit, ah, il a bien fait d'avoir acheté celle-là. Oh, c'est bien. Lourde ou pas? Voilà, elle est lourde. Bon, Raptor, je te fais confiance. Je sais que t'es un putain de pilote. Alors toi, tu vas conduire le RS6. Je vais conduire la RS parce que mon but, c'est toujours quand même taper des voitures avec ma RS. Parce que, on va pas se mentir, maintenant, quand je vais faire des courses, je vais sortir le RS6. Donc, on va essayer de gagner. Ça va être compliqué pour les autres voitures de gagner contre ça. Par contre, contre ça, ça laisse plus de chances aux adversaires de gagner contre une Clio 4RS. Et c'est plus impressionnant avec une Clio 4RS. Ça va être plus facile avec celle-là. Voilà. Mais tu vois, c'est plus impressionnant avec une Clio 4RS de gagner des voitures de 300 chevaux, 330, 300. Avec elle, tu mets qui dessus? Tu mets qui contre elle? Je mets rien. Tu es obligé de ramener une Lamborghini contre cette merde. Il n'y a que contre notre Ferrari à la limite. Voilà, à la limite. Peut-être. Voilà, à la limite. Voilà, bon, t'es chaud? Ouais, bah oui. Vas-y, let's go. Ma chérie, tu montes avec moi? On commence en mode confort. Allez, on commence en mode cool, Raoul. Yaya. Oh, c'est qui fait le décompte? C'est moi. Le captain, il va faire 1, 2, 3, à 3 on part. Si je gagne un RS6, ce qui est probablement pas possible dans les plans de ma nouvelle RS6, je pense si je la bats, ça serait quand même chaud. Mais. Je sens que je vais voir du pot d'échappement ici. Je vais voir des retours de flammes. 1, 2, 3. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Vous en refaites une là ou pas? Ouais, il va rester en mode confort, je vais mettre le mode sport. Amine, ouais. Ralentis un peu, laisse-lui un peu d'espoir. C'est qui a gagné? C'est bien moi qui a gagné? Ouais. En précis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos dans le même contexte. Ouais, la famille. Abonnez-vous, il va ramener tout ce qu'il faut. De la Urus, de la Lamborghini, on ramène tout ce qu'il faut. Eh, par contre, je démarre en mode launch control. Vas-y, Captain, fais le décompte. En précis, il est en mode sport, je reste en confort. Ouais, on précise, ouais. 1, 2, 3. Pas bien ma RS. Après, RS6, RS6. Je sais pas pourquoi ce sera toujours mon petit gâté. C'est elle qui m'a suivi dans la galère. L'autre, elle est arrivée quand tout va bien. 1, 2, 3! Bon, là, du coup, ils vont utiliser le mode sport. Ah, il l'avait pas? Non, il l'avait pas là. Ah, mince. Là, là. Ouais, il est en confort, il est en mode confortable moins. Bah là, avec le launch control, je l'ai quand même bien tiré au départ. Après, puissance de la RS6, hein, elle a fait le taf. Hein. Captain, ouais. Je te laisse passer juste derrière la voiture pour que t'entends le bruit quand je passe le mode sport. Vas-y. Ah ouais.
que launch control, elle s'est bien débrouillée quand même. Mais t'as vu, tu m'as dit qu'il y avait un problème de quoi avec la RS là. Je commence à avoir un petit problème de turbo. De turbo. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, quand je débarque le launch control, j'arrive à 80, 90, je ressens un petit relâchement de la RS et une reprise tout de suite, tu vois. Bah vas-y, je suis chaud pour la suite, je suis chaud encore pour que tu me bouillaves. Hein. Là les gars, il va mettre le mode sport. On va réessayer avec le launch control. Moi je suis avec le launch control, donc tu me dis, Captain, ouais. On attend que toi. Vas-y. 1, 2, 3. C'est passé quoi là? J'ai oublié de mettre la vitesse. Ah oui. Simplement. Ok. Qu'est-ce que je me sens? Il a oublié de mettre la vitesse. Elle est où la RS6? Où c'est qu'elle est la RS6? Les gars, je vous jure, ce mec, je vous jure, il est assez connu sur Grenoble. Il a conduit toutes les voitures au monde. Lamborghini, Ferrari, Macan, McLaren, il a conduit tout. Donc là, tu peux pas dire que c'est un mec qui sait pas conduire au lahage. C'est un mec qui sait conduire, il a oublié de passer les vitesses. Ok. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un aurait vu le RS6? Il est passé devant moi au bout d'un moment, je crois, et je le vois plus. Je crois qu'il a pris l'entrée de la rocade. Ah ouais? Tu crois qu'il est déjà à Lyon là? Eh bien, re tout le monde, la famille. Bon, la chaîne de mon pote sera en description. La team, je compte sur vous. Et comme vous le savez, c'est pas mon RS6 à moi. Vous êtes encore resté jusqu'au bout de la vidéo pour certains. D'autres qui restent pas jusqu'au bout des vidéos, ils sont encore en train de croire que c'est mon RS6. Alors que c'est le RS6 de mon pote qui les loue. Bref, en tout cas, la team, n'oubliez vraiment pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. La chaîne de mon frérot, elle est en description. Si vous voulez voir des trucs sur des bolides et tout, tu vas refaire un peu de moto et tout. Et quoi, il y aura de tout. Voilà les gars, donc on l'appelle pas. Les gars, à Grenoble, on l'appelle pas Raptor pour rien. Allez voir sa chaîne, on vous met sa chaîne en description. Go lui donner toute la force possible. On compte sur vous, la team. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao l'équipe.